Bonjour Alexandre Jolien, bonjour Jean-Pierre Brouillot. Bonjour madame, voix off. Je vous laisse entrer et vous installer sur les canapés que vous allez trouver devant vous. Voilà, vous y êtes presque. Alors Jean-Pierre, sur votre droite, il y a un canapé bleu. Non, Jean-Pierre, sur le canapé invisible, donc où il y aura Aurélie Philippe et Bérangère du vu, de l'odorat, du toucher, de l'ouïe, du goût. Certains parfois rajoutent... Sans souffrir et être le plus sensible à l'autre. Est-ce que vous, l'un et l'autre, vous vous fiez régulièrement à vos sens, à vos perceptions sensorielles? Est-ce qu'elles vous guident au quotidien? Bah, les informations, elles arrivent par là. Elles arrivent par les avenues perceptuelles. Est-ce que ça vous... Est-ce que, par exemple, pour prendre vos décisions ou pour faire une action, vous vous servez de ces perceptions sensorielles? Comment ça se passe? Bon, moi, je parlerais plus d'un ressenti, pour me mettre en route pour une décision. Quand je veux faire quelque chose, il faut vraiment que je le ressente profondément. Donc ça, c'est pas du tout lié au sensoriel, c'est lié plutôt à un climat et une réceptivité intérieure. Et vous, Alexandre? Oui, je pensais, en vous écoutant, il y a toute une tradition de la philosophie qui se méfie des sens. Et finalement, on est peut-être appelé à aiguiser le sens du vrai, le sens de l'autre. La sensibilité, ce n'est pas forcément le terrain de l'erreur. Et je pense qu'on peut être à côté de la plaque si on est coupé de son intériorité. Et je pense quand on est enfant, on est souvent réprimé quant à nos sensations. Toute l'éducation vise à valoriser la raison, le truc, les théories. Et finalement, on finit peut-être par être coupé de soi. Et l'intuition, elle est au-delà des concepts. D'ailleurs, elle peut nous tromper. Il y a des gens qu'on rencontre, on ne peut pas les sentir. Et après coup, on s'aperçoit que c'est quelqu'un qui nous nourrit. Et inversement, on peut être fasciné par un corps. Et derrière la vitrine, on n'est peut-être pas nourri. Oui. Oui, parce qu'effectivement, quand vous rencontrez pour la première fois quelqu'un, l'un et l'autre, je parle des premières secondes, hein. À quoi vous vous fiez? Est-ce qu'il y a un sens particulier qui prend le dessus? Est-ce que ça peut être une odeur? Je ne sais pas. L'écoute, en tout cas, pour moi, c'est vraiment... L'autre, il rentre dans l'espace « je suis » immédiatement, avant que je fasse le tri. Et c'est après les sens qui vont faire le tri. Mais dans l'immédiateté, c'est l'écoute, c'est l'espace ouvert qui accueille l'autre. Mais quand je dis l'autre, ça peut être un paysage pour quelqu'un qui voit, un son pour quelqu'un qui ne voit pas, ou une personne. Et après, la pensée, qui est à la fois rapide et à la fois très lente, commence à faire le tri en nous disant « Ah ben tu sais, cette personne, elle te rappelle un tel ». Tu as eu un bon souvenir avec, donc elle doit être sympathique et tout ça. Donc il faut toujours faire un petit peu attention les sens sont trompeurs, en fait, ce que disait Alexandre tout à l'heure. Mais ils sont là. Donc on est dans ce deal. Qu'est-ce que j'écoute? Donc c'est-à-dire entre la première idée qu'on se fait de quelqu'un, finalement, de manière intuitive, en tout cas dans cet espace que vous appelez l'espace d'écoute, et l'espace mental qui prend peut-être parfois le dessus, une fois qu'on a établi une communication, c'est ça, c'est d'arriver à faire en tout cas de faire dialoguer les deux. Quand vous rencontrez quelqu'un, c'est ce que vous êtes en train de dire, Jean-Pierre? Oui, oui. Oui. Et vous, Alexandre, ça se passe comment, les premières secondes Mais je suis frappé par ce que tu dis, Jean-Pierre.
En ce sens que tu dis que c'est l'écoute, et sans hiérarchiser ni comparer, je dirais que c'est vraiment une chance, entre 18 guillemets, parce que moi, quand je regarde quelqu'un dans la rue, je suis pas forcément dans l'écoute, je suis attiré par une particularité du visage ou du corps, et c'est d'emblée réducteur. La vision, enfin, ce que fait le mental de la vision est réducteur. Oui, oui. Donc vous, ce qui prime, c'est la vision, finalement. Quand vous... Oui, ouais. Et malheureusement, oui, on fait une carte postale de la personne, oui. D'accord. Et alors là, je vais... Mais c'est un réflexe. Il n'y a pas à juger, c'est nul, ces trucs. Peut-être c'est juste constater que quand on regarde quelque chose, on peut être dans l'appropriation, dans le truc, et que le deuxième mouvement, c'est d'aller voir ailleurs, comme dirait Jean-Pierre, c'est-à-dire au-delà des préjugés, des trucs. Oui. Et ça peut vous arrêter, cette première... juste avant que l'espace mental, je ne sais pas comment l'appeler, mais... Est-ce que cette première idée que vous faites, ça peut vous arrêter dans la rencontre? Si par exemple, tout à l'heure, Alexandre, vous disiez qu'effectivement, vous pouviez vous tromper, c'est-à-dire penser que quelqu'un, finalement, n'était pas intéressant et que finalement, vous découvriez l'inverse, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous arrêter à cette première sensation, cette, je ne sais pas ce qu'on peut appeler l'écoute, l'intuition, la vue, et de ne pas creuser plus loin la connaissance de l'autre? Je vous pose une colle, Jean-Pierre, c'est ça? Non, moi, pas du tout. Je ne savais pas si Alexandre voulait réagir. Non, moi, j'ai envie de dire, en fait, on ne se trompe jamais. Je veux dire, à chaque fois qu'il y a relation, ça parle de la manière dont on la vit. Donc, ça parle de nous, à chaque fois. Donc, quelque part, on ne se trompe pas. D'accord. Alors là, j'ai une question pour vous deux qui va concerner les 5 premiers sens dont on parlait tout à l'heure. Oui. Est-ce que l'un et l'autre, vous pourriez me donner une odeur qui réveille en vous des sensations, ou en tout cas qui vous évoque un souvenir? Joyeux, non, hein, ça c'est vous qui allez me le dire. Et une odeur forte comme ça, peut-être, qui peut vous venir? Non, mais c'est tout quand j'ai... Pardon, c'est basique, mais j'ai un copain qui a des désodorisants aux toilettes, et à chaque fois que je vais le rencontrer, j'avais un moment dans la soirée où j'étais complètement triste et je ne comprenais pas pourquoi, parce que c'est un copain qui et sa femme qui me mettent dans la joie, et j'ai réalisé que j'ai un autre ami qui est croque-mort et qui désodorisait les chambres mortuaires avec le même produit odoriférant que mon copain dans ses toilettes. Et donc le cerveau, il associait, sans que je le sache, l'odeur, je sais pas, des mimosas ou je sais pas, avec les défunts que j'avais croisés et le tragique de l'existence. Et ça n'a rien à voir entre le mimosa de mon ami et la morgue. Le cerveau crée un lien. Et la liberté, peut-être, c'est de se rendre compte qu'on est en permanence l'objet de ces connexions. Et on n'est peut-être pas conscient de ça. Et on s'accuse, pourquoi je suis triste, pauvre. Alors que tac, il y a une petite influence, une brise légère, et tac, ça rappelle des souvenirs. Oui. Moi, ça m'évoque directement, dans la même modélisation de ce que tu viens de dire. Je croise en ville, je croise quelqu'un, c'était à Aubenas, en Ardèche. Et je crois que cette personne que je n'avais pas vue depuis un certain temps. Et je ne sais pas, il y a une espèce de nostalgie qui vient très profonde.
Je me dis, mais c'est quoi le rapport avec cette personne? Et je ne vois pas de rapport, je ne comprends pas. Bon. Et la personne, au bout d'un moment, quelques secondes, elle me dit, on pourrait peut-être parler un peu plus loin dans la rue, tu as vu, c'est dégueulasse, ça pue, il y a les égouts là. Et d'un seul coup, je réalise que les égouts, évidemment, ils me rappelaient en fait de nombreux voyages où j'ai passé. On passe dans des villes qui sont des fois avec des égouts à ciel ouvert. Et comme il faisait un temps absolument... il pleuvait, très gris et tout ça, j'ai dû avoir une nostalgie en sentant les égouts des pays tropicaux. Et là, je me suis dit, mais c'est quand même incroyable. On est, comme tu disais, on est le jouet de connexions inconscientes qui n'ont rien à voir avec c'est bon ou c'est pas bon, quoi. Et quand vous vous en rendez compte, justement, Alexandre, par exemple, est-ce que maintenant que vous allez chez cet ami, est-ce que vous êtes triste encore? Alors, il y a deux niveaux, c'est ça qui est rigolo. On continue peut-être à être influencé, mais tac, c'est presque un jeu que de se dire « Attaque, attention, je rentre dans une zone d'instabilité et voilà, je reste dans le présent en intégrant le tragique, la mort, la souffrance. » Et oui, et là, c'était flagrant, mais dans la vie quotidienne, il y a des petites influences qui passent au-dessous des radars. Et je vais vous poser la même question par rapport au goût. Est-ce qu'il y aurait une saveur, quelque chose qui évoque chez vous un souvenir fort, ou en tout cas une sensation? D'innombrables goûts. Mais là, ce qui me vient tout de suite, c'est... est-ce que ça vient d'un manque? Je fais un appel, peut-être que oui. Je ne sais pas si Julie, vous avez ça sous la main, mais une glace. Ah. J'adore manger des glaces, mais c'est d'une manière un peu outrancière. Et y a un goût que j'aime particulièrement, quelle que soit la glace, c'est quand il y a la glace et que je commence à grignoter le cornet. Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce qui se passe. Et j'ai découvert, il n'y a pas si longtemps que ça, un souvenir lié à mon père que je voyais très peu parce qu'il était militaire et il venait à peu près un mois par an me voir et voir ma mère. Et en fait, je me souviens, j'ai 3-4 ans et il m'avait offert une glace dans un café à l'époque, oui. Qui était tout bête, deux boules, certainement pas une glace très délicieuse, vanille, chocolat, ce qui était dans les années 60, c'est à peu près ce qu'on trouvait partout. Et ça a été un grand, grand bonheur que de manger. J'étais debout devant le bar. Peut-être que le bar était peut-être plus haut que moi, je ne sais plus très bien. Mais je me vois en train de grignoter le cornet. J'ai plus tellement la saveur de la glace dans la bouche. Et c'était vraiment un moment où le papa, il y a quelque chose d'éternel. Il y a un goût d'éternité, là. Et en fait, ça, je pense que ça m'a bien rattrapé. Et je pense que c'est probablement ça qui m'a dirigé vers cette gourmandise inassouvissable de glace. Donc la glace, à chaque fois, est associée. Vous l'associez. Alors plus. Ouais. Voilà, je le sais maintenant. Donc, en fait, c'est intéressant parce que les connexions dont on parle inconscientes, il me semble. Là, je vais poser la question à Alexandre. Quand on voit les connexions qui se sont faites jusque-là à notre insu, quand on les voit vraiment, après, on le sait. Et il me semble, en tout cas, j'oserais prétendre qu'on n'est plus déterminé par ça. En tout cas, c'est la thèse de Spinoza. Quand on prend conscience du déterminisme, on s'en affranchit. Alors moi, j'en suis pas là parce que je vois plein d'aliénation, mais qui continue à en parler du goût. Le rapport à la nourriture, c'est quand même hyper consolateur. C'est pour ça que... Bon, mais je vais me consoler. Oui, parce que le corps est consolé immédiatement quand on mange une pâte de fruits. À son bon, hein.
Et vous avez un goût, vous, Alexandre, justement, qui vous parlez que le, du fait que c'est consolateur, mais chez vous, il y, y a quelque chose. Je suis gourmand, donc je ne saurais me limiter à un goût, j'aime tout. D'accord. Ouais. Mais il n'y a pas un souvenir, en tout cas, qui est relié, comme ça pourrait être le cas pour Jean-Pierre. C'est rigolo, il y a des bons goûts qui sont associés à la tristesse. Parce qu'un enfant bouffe un yaourt pour se consoler, il y a un arrière-goût au yaourt. Et, oui. On peut savourer un plaisir tout en étant dans la peine. Et de nouveau, dans le souvenir, les deux sont associés. Et concernant un son, un bruit, je vous en prie, Alexandre. Oui, consolez-vous avec. Je vais me consoler. Bon, alors, je. Le chant des oiseaux, que je déplore d'ailleurs. Je déplore une chose, c'est qu'il y ait de moins en moins d'oiseaux, c'est connu ça. Je crois qu'on a perdu 60%, je crois, des oiseaux en quelques années, en tout cas sur nos manières globales. Moi, j'ai l'impression de m'en rendre compte que les chants sont de moins en moins diversifiés. Mais le chant des oiseaux me ramène à un moment très, très, très fort où j'arrivais va-nu-pied, sans le sou, quasiment, à la frontière indienne. J'arrivais à pied entre Lahore et la frontière indienne, Lahore étant une ville du Pakistan, avec un copain. Et c'était tellement, depuis des années et des années, je nourrissais à l'intérieur l'Inde comme le. C'est l'endroit où il fallait absolument que j'aille. Quoi. Là, je parle, j'ai 18 ans. Quoi. Et. C'était vraiment quelque chose qui m'habitait nuit et jour. Et quand je suis arrivé à la frontière indienne, il y avait plein d'oiseaux. Et c'est ridicule parce que voilà, la frontière indienne, où c'est à la fois le Pakistan et l'Inde, c'est la même terre, il y a le même nombre d'oiseaux. Mais j'ai eu l'impression d'arriver dans une volière paradisiaque. Je suis resté là, je crois que je me revois avec le douanier qui me demande mon passeport parce que c'était dehors. J'étais avec le passeport à la main, le douanier il a disparu, je ne me rappelais même pas ce qu'il fallait faire. Et j'étais complètement emporté et subjugué par le chant des oiseaux. Et ça, vous y faites appel de temps en temps à ce chant? Vous l'entendez encore? Oui, oui. Mais quand j'entends les oiseaux. Après, quand on sait ce qui s'est passé, ce qui est très. Qui est bien heureux, ce qui fait du bien. C'est de s'amuser à jouer avec ses souvenirs comme si c'était des ballons qu'on lâche, quoi. Moi, ça m'est assez facile de m'asseoir, de faire abstraction de l'environnement, et je peux replonger dans cette sensation avec le rêve. Enfin, le rêve n'est plus là, de l'Inde, d'idéaliser toutes ces choses-là. Mais l'intensité du bonheur est toujours là. Et vous, Alexandre, il y a un son aussi, un bruit? En vous écoutant, je me disais qu'il y a un exercice spirituel chez Épicure qui sert en gros de se souvenir des belles choses, revisiter le passé. Et pour moi, c'est difficile de revisiter un bon souvenir du passé, de l'enfance. C'est comme s'il y avait un trou noir et qu'il n'y avait rien d'agréable là-dedans. Mais certes, je caricature. Donc le bruit, pour moi, c'est le clocher, les sons qui sonnent dans Jésus. Parce que quand on est croyant ou non, c'est un rappel à l'intériorité. J'aime. Enfin, je serais content s'il y en avait plus ce rappel, dans la journée, à ralentir et à rentrer en soi-même, à descendre pour continuer à partir de l'intime. Oui.
Et concernant une sensation tactile, vous auriez aussi quelque chose à nous dire? Je me souviens, Jean-Pierre, il me semble, dans le film Post-Scriptum, vous m'avez parlé du velours, mais peut-être que ce n'est pas la sensation. Mais ça, c'est un autre jour, non? C'était un autre jour, pour autre chose. Alors, oui. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a autre chose. Est-ce que... Si je parle de... Alors, oui, c'est tactile, mais c'est pas que tactile, c'est plus large que ça. Quelque chose qui me... presque impressionne, c'est de prendre d'avoir un rapport direct, alors plus tactile pour moi parce que je ne vois pas, avec un nourrisson. Approcher un nourrisson, poser les mains sur ses mains, sur sa tête, il y a quelque chose de... Il y a un retour à l'origine comme ça, il y a quelque chose qui ruisselle, qui est comme s'il venait d'un, comme s'il était encore dans le pays du nom de l'incréé, quoi. Et moi, ça passe plus par le tactile, mais après, quand je réfléchis, je me dis qu'en fait, c'est beaucoup plus global que ça. Autrement, la peau, serrer la main de quelqu'un, voilà, tiens, ça c'est peut-être ça répond peut-être plus à ta question, madame voix off. Non, tu n'es plus en voix off, là, Julie. Non. je suis là, oui. J'adore serrer les mains. Je pense que je vais passer. J'ai envie de serrer les mains. Dès que je rencontre des gens, j'ai envie de toucher leurs mains, mais même très, très rapidement. Mais c'est un indice, qu'est-ce que c'est de toucher une main, finalement? Alors, peut-être parce que je ne vois pas, mais oui, moi, ça me parle beaucoup, quoi. D'ailleurs, ça fait un moment que ça me turlipine et que je me dis qu'il faudrait que j'écrive autour de la rencontre des poignées de main. Est-ce que l'un et l'autre, vous avez déjà été trompés par vos sens, par les perceptions sensorielles? Non-stop, oui. Par exemple? Bon, je ne sais pas, moi, ça m'est arrivé de rentrer dans un magasin de peinture et de demander... Par exemple, et je voulais acheter de la bière. Je m'étais gouré de magasin, ouais. Quand tu vois pas, de toute façon, tu passes ton temps à faire des trucs comme ça. Tu vas t'adresser. Ma grande spécialité, c'est de parler à des gens qui sont pas là. Il y en a d'autres comme ça, Jean-Pierre? Non, il y en a... je pense qu'il y en a beaucoup, ouais. Bah, dites-nous, ça nous intéresse. Je dirais... Bon, je sais pas, ça va pour aujourd'hui. Et Alexandre? Dire ça pleine la bouche. Bon appétit. Hein. Mais justement, la sensualité, ça peut être le lieu de l'attachement, la peur du manque, et donc ça saisit. Et donc, c'est la satisfaction et la souffrance. Donc, comment ouvrir la sensibilité pour qu'elle ne soit pas dans la prise, dans la crispation? Et ce n'est pas un jugement de valeur, parce que quand on a manqué, on voit bien le rapport à la bouffe, il y a autre chose qui se joue, mais quand on a manqué, ben, quand c'est à disposition, c'est difficile de passer à côté. Et ça, comment revisiter nos désirs, nos besoins pour y mettre un peu plus de liberté? Je vais refaire référence au film, effectivement. Donc là, vous avez les pâtes de fruits, les chocolats et l'eau qui est posée sur des boîtes qui contiennent des Pinocchio. Et Alexandre et Jean-Pierre, je vous avais demandé de les poser. Vous ne saviez pas ce qu'il y avait dedans. Mm-hmm. Alexandre, je vous cite, et je vous vois encore rire sur cette boîte. Mm-hmm. Vous avez dit que c'était une expérience très profonde, avec le fait que l'aspect tactile vous ramenait à votre enfance. Mm-hmm.
Et vous avez rajouté que cela soulignait aussi le fait d'être souvent dans le mental et de conceptualiser les choses. Et vous, vous témoignez de votre enfance, mais quel rapport avez-vous avec tout ce qui est de l'ordre sensoriel, on va dire? Ben, justement, une petite déconnexion, c'est peut-être un défaut de tout rationaliser pour donner du sens, pour expliquer, pour justifier. Et ce faisant, le risque, c'est de se couper de l'expérience. C'est comme s'il y avait toujours ce besoin d'analyser, de comprendre, de donner sens. Et finalement, on n'est plus dans la réalité, mais on se construit une réalité, mais par réflexe, par mécanisme de défense. Et ça, c'est quelque chose que vous avez mis en place très jeune? Oui. Oui. Il y avait tout le temps une espèce de rationalisation, enfin très jeune, de ce qui se passait pour prendre du recul, pour analyser, pour s'en sortir. Mais l'expérience nue, comme disent les bouddhistes, il n'y avait pas beaucoup. Et vous avez l'impression que ça a été progressif ou... Là, par exemple, est-ce qu'aujourd'hui, vous retrouvez un petit peu l'aspect plus de perception sensorielle et de laisser un petit peu le mental de côté? La méditation, ça aide à avoir une approche plus vierge. Mais il y a du boulot. Et Jean-Pierre, vous avez expérimenté beaucoup le monde, vous le dites, mais... Comment ça se passe pour vous et comment ça s'est passé pour vous, toutes ces questions de perception sensorielle? C'est devenu très présent, je pense, peut-être vers l'âge de 16 ans, quand vous avez perdu la vue. Mais vous avez le souvenir d'être plutôt dans le mental. Comment ça s'est construit? Comment vous êtes construit par rapport à vos sens? Par l'agressivité au départ, beaucoup, parce que... La faute sur le monde, la faute sur la génétique, la faute sur je sais pas quoi, sur tout le monde en fait. Donc j'étais dans la rage et l'agressivité. Après peu à peu, il y a un chemin qui, selon les uns et les autres, parce que je crois qu'on n'est pas tous trempés dans le même bain. Ça va plus ou moins vite pour certaines gens, de réaliser que. Il n'y a jamais rien qui ne vient pas de nous en fait. Tout ce qu'on croit qui vient d'extérieur, qui modifie ce qu'on est, tout ça, en fait, c'est pas vrai. Ça vient de nous. C'est nous qui avons une manière, je dis nous, je, hein, l'individu, en tout cas, tant qu'on a une histoire personnelle auquel on croit. Et qui nous détermine, c'est cette histoire à chaque fois qui est. Oui, je vous en prie. Ah, parce que j'ai cru que c'était un cornet de glace tout à l'heure, je crois. Non ? Oui, vous étiez sur votre vécu, oui, Jean-Pierre. Oui, donc je disais que je m'étais construit comme ça. Parce que je me souviens de... Il me semble que même dans votre livre, vous dites qu'à un moment donné, vous n'êtes pas rendu compte tout de suite, vous étiez aveugle. Alors ça, c'est une chose phénoménale, vertigineuse. Oui, en effet. Je vais essayer de faire ça très synthétique. Non, mais on est là pour vous écouter. Je ne sais pas à quel âge... Oui, je ne sais pas du tout à quel âge j'ai perdu la vue. Et ça, alors, si j'avais quelque chose à dire un jour en public qui doit être entendu, il n'y en a qu'une en fait, c'est celle-là, c'est que j'ai peut-être passé 6 mois, 1 an, sans savoir que j'étais aveugle. C'est quand même énorme, quoi. Donc, je fonctionnais par la mémoire. Bon, je prenais certainement de plus en plus de nions, mais bon, je ne voulais pas les voir, j'étais dans le déni total. Et ce qui est extraordinaire, c'est que mon histoire et mes goûts, mes opinions, tout changeait.
Et en fait, ça changeait pour me protéger. Donc, tout à l'heure, quand je parlais des histoires qu'on se raconte sur soi, on se raconte des histoires sur soi, mais en fait, c'est pour se protéger. Et pendant peut-être une année, au lieu de, j'étais très, très physique, j'adorais courir, jouer au foot et tout ça, j'ai abandonné tout ça en disant que c'était des trucs pour les cons. Pourquoi pas 11 ballons sur le terrain plutôt que de courir après un ballon et cette compétition de merde. Enfin voilà, donc c'est comme ça que je réagissais, que je me construisais en fait. Et un jour, même maintenant là quand j'en parle, je me dis mais c'est inconcevable quoi, de vivre si longtemps comme ça en étant réellement définitivement aveugle et ne pas en prendre conscience. Et comment ça s'est passé, justement, cette prise de conscience? Je me suis fait, pour la énième fois, je me suis fait, vider d'une école. Ils m'ont expulsé. Et je me suis retrouvé dans une école à Paris. Et j'avais absolument jamais mis les pieds dans cette école. Et mon père m'y a accompagné. Là, j'ai juste 16 ans. Bon, il m'accompagne dans le train, tout ça. Bon, ça va. Je réalise pas plus que je suis aveugle, mais quand il m'a laissé dans l'école, d'un seul coup, j'ai compris que je savais pas où j'étais. Et je me dis, pourquoi je sais pas où je suis, quoi. Et à table, il y en a eu un qui a eu la bonne idée de me dire, comme tu vois pas, parce que je connaissais personne, je vais m'asseoir au réfectoire. Peut-être même, je me souviens plus très bien, parce que ça a été un moment quand même tellement douloureux que parfois la douleur crée des vibrions comme ça de... aveuglant, une espèce de laser qui fait que ça anesthésie la mémoire. Mais je ne sais pas qui m'a accompagné au réfectoire, mais la chose est claire, c'est que je revois cette table intérieurement où on est 6 et il y a un gars en face de moi, ou peut-être un peu décalé, qui était en bliop, c'est-à-dire qui voyait un petit peu, et qui me dit tiens, comme tu es aveugle ou comme tu ne vois pas, je ne sais pas le mot, mais sans doute aveugle à l'époque, ça ne nous dérangeait pas de l'employer, je vais te servir la soupe. Là, mon poing est parti, il a pris mon poing dans la gueule, je sais pas, la soupe est tombée, enfin bon, voilà. Je me suis levé en hurlant, je suis parti en courant, je me suis cogné dans toutes les tables, j'ai dû faire tomber des tables, des trucs. Je cherchais partout cette foutue porte, je ne savais pas où elle était. Et ça a été horrible. Là, vous prenez conscience, effectivement, que vous ne voyez pas... Là, ça y est, c'est clair. C'est clair. Et vous prenez aussi conscience à ce moment-là, finalement, que vos la rage, sens... La rage, oui. Mais vraiment, Julie, la rage. Quoi. Et j'ai fait payer beaucoup de monde. J'ai fait beaucoup de saloperies à ce moment-là, mais ce qui m'a sauvé, c'est que j'ai eu la bonne idée de demander à apprendre à être indépendant avec une canne blanche. Jusque-là, je ne savais même pas que ça existait, une canne blanche. À l'école où j'étais avant, on n'utilisait pas ça. Et ce jour-là, j'ai entendu qu'il existait des cannes blanches pour les aveugles. Et j'ai demandé, et deux jours après, ils m'ont appris le quartier, et je crois qu'ils n'avaient jamais vu ça. En une fois, j'ai tout compris dans la rue. Donc je pouvais sortir après. Et j'ai pu sortir le samedi. Et j'ai eu la bonne idée, je ne sais pas pourquoi. J'avais une flûte, je me suis assis. Je me suis assis dans un couloir à Châtelet. Et je me suis dit, j'ai pas de fric, il faut que j'en gagne un peu. Et j'ai joué de la flûte. J'ai fait la manche dans le métro. Je n'avais jamais fait ça de ma vie, ça m'est venu spontanément. Et il y a une petite nana qui est venue s'asseoir à côté de moi. C'était la grande époque. Des va-nu-pieds, hippies et autres, qui est venue s'asseoir à côté de moi. J'ai appris qu'elle habitait dans une communauté. Et en fait, voilà, c'est comme ça que j'ai eu accès à ce qui me faisait rêver depuis très très longtemps pour prendre la route et tout ça. Et Alexandre... Moi, j'étais un peu long, Alexandre. Non, mais pas... En plus, j'ai envie de vous poser d'autres questions. Mais Alexandre, vous, il n'y a peut-être pas eu de révélation comme ça à un moment donné. Vous avez grandi... Et vous étiez dans un établissement spécialisé. Donc, de fait, déjà, vous aviez ancré cette idée que vous aviez des difficultés motrices. Et comment ça se passe après? Vous essayez de vous sortir de cette idée, finalement, pour dépasser les limites? C'était par étapes. Et je dirais la grande révélation, c'est d'avoir été papa. L'autre jour, je vois qu'il y ait... grimper mes enfants à un arbre et je m'imaginais à leur place. J'avais peur qu'ils tombent,
alors que pour eux, c'était sans danger aucun. Mais j'ai pris conscience que je projetais dans leur corps mes capacités physiques. Donc tout ce qui était dangereux pour moi n'était pas forcément pour les autres. Donc, et les enfants aussi, ça a révélé qu'on peut avoir une enfance sans gros soucis, même s'il faut être nuancé, mais ça, par contrepoids, ça montrait ce que je n'avais pas eu dans ma vie, c'est-à-dire l'insouciance, le truc, la facilité, la légèreté, une certaine inconscience. Et donc, j'allais dire qu'aujourd'hui, j'aurais tendance à régresser dans, je sais pas, des comportements où j'essaie de l'insouciance. Mais essayer l'insouciance, ça veut dire qu'on n'est pas insouciant. Et aussi le regard de l'autre rappelle sans cesse le handicap. On a beau travailler intérieurement pour se libérer et dire voilà, c'est bon, on sort dans la rue et clac, le regard de l'autre rappelle ça. Et donc voilà. Et c'est une lutte intérieure, justement, vous parlez d'insouciance, de moments, d'essayer de recréer des moments d'insouciance tout en ne l'étant pas vraiment. C'est rigolo avec mon copain Bernard Campan, on s'est pris des cuites, on a fumé des joints, une fois, faut pas exagérer non plus, mais j'ai jamais eu l'occasion de lâcher, il y avait toujours une conscience de soi. On va s'en occuper alors. J'allais dire, dans la méditation, il y a ce lâcher prise qui est ponctuel, qui est voilà. Mais dans la vie quotidienne, c'est dur. Il y a Swami Prajnapad qui distingue bien l'enfant et le puéril. Un adulte qui joue à l'enfant, c'est du puéril, c'est fou. Et donc, retrouver l'insouciance qu'on n'a pas eu enfant, c'est presque impossible. Il s'agit de créer une insouciance ici et maintenant. Enfin, insouciance au sens un détachement. J'ai une solution pour toi. Oui. Tu fréquentes que des aveugles. Comme ça, le regard sur toi. Toi ? Oui. Ça peut être un exercice intéressant, effectivement. J'ai plein de solutions comme ça. C'est comme, tu sais, la personne qui a des problèmes, il ne dort pas, en fait. Et toutes les nuits, il se réveille plein de fois. Il est persuadé qu'il y a quelqu'un qui est planqué sous son lit. Il va voir un psy. Et le psy dit, bah oui, je peux vous soigner, mais c'est une fois par semaine, 60 euros par semaine. Ce monsieur, il a un métier, il gagne très peu d'argent. Il rentre chez lui, il dit, putain, 60 euros par semaine. Je peux pas. En même temps, il faudrait, parce que je ne dors pas. Et quelques jours plus tard, il rencontre un pote qui est menuisier et qui lui trouve la solution, en fait. Et mais je vous raconte pas ça tout de suite. Et deux, trois semaines après, il rencontre le psy au supermarché du coin. Et le psy, il dit, ah, mais je vous ai pas revu. Ben, il dit non, ça y est, ça ne va pas coûter un rond. Et tout va bien, il n'y a plus personne sous mon lit. Il dit, vous avez fait quoi? Ben, mon pote menuisier m'a simplement proposé de couper le pied sous le lit. Et maintenant qu'il n'y a plus de pied sous le lit, je suis libéré de mes peurs. Et Jean-Pierre, on va continuer sur vous. Dans votre livre « Aller voir ailleurs », vous écrivez, alors c'est peut-être pas les mots exacts, mais que bien que vous soyez aveugle... Attention, Julie. Oui, vous me pardonnerez. Bien que vous soyez aveugle, vous voyez avec tout votre être. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce que c'est voir avec vous, tout votre être, justement? Non. Vous ne pouvez pas m'expliquer. Vous avez d'autres perceptions que visuelles, j'imagine, pour être en contact avec le monde, avec les autres. C'est ce que vous me disiez tout à l'heure, il y a l'écoute. Mais il y a d'autres choses, peut-être? Ben, c'est...
Ça s'appelle la présence, simplement. Bon, après, c'est des mots, tout ça. C'est pour ça que c'est un peu... J'ai l'air de prendre ça comme ça, un peu de manière légère et pour faire rire, mais je ne peux pas dire grand-chose de ça, quoi. Vraiment. Il n'y a pas de mots pour nommer. C'est ça ? D'être espace. Ça ne s'explique pas par des mots, espace en tout cas. Conscience. C'est ce que... Oui. Et ça va me faire rebondir justement sur le fait que, selon vous, est-ce que nos perceptions sont innées ? Alors, je n'ai pas trouvé de terme, c'est pas le terme très juste, peut-être naturel, brut, je ne sais pas. Ou est-ce que nos perceptions sensorielles sont acquises à partir des expériences de vie ? Alexandre ? Pas danger. J'aurais dit la oui. Mais je vous laisse finir de boire. Elle est pour toi, cette question. Allez-y, hein, prenez le temps. Ah. Bon. La question était de savoir si nos perceptions sont innées ou acquises à partir des expériences de vie. Alors, innées, c'est peut-être pas le terme très juste, mais est-ce qu'elles sont naturelles ou est-ce qu'elles sont conditionnées, acquises, finalement, nos perceptions ? Par définition, la perception, c'est une ouverture au monde. C'est-à-dire, il y a une belle image qu'on trouve. Enfin, qu'on peut trouver chez Shogyal Trungpa, c'est hyper compliqué, mais en résumé, et ça m'a beaucoup aidé, mais je n'ai pas tout compris, c'est comme si on était des grands appareils à photo. C'est-à-dire, on est ouvert, on n'a pas de préjugés, on est tout accueil, et dans le premier mouvement de l'expérience, on est complètement perdu. Mais ce n'est pas un problème, on est bombardé par les sens. Et après, mais ça se passe en fraction de seconde, on essaie de comparer l'expérience à du vécu. Ça me rappelle ça, c'est le boulanger, c'est le truc. Et après, on fait des va-et-vient entre ce qu'on sait et la réalité du moment. Et... Donc, j'ai oublié la question. Oui, la perception, elle est naturelle, mais elle est toujours, il me semble, comparée à du connu. Et c'est assez tragique, parce qu'on n'arrive plus à voir les êtres sans projection. Il me semble qu'on compare avec, elle me rappelle ça, ou ça, et la perception, retrouver cette virginité, cette fraîcheur dans l'appréhension du monde, être une photographie, mais sans clic, sans sourire, ne bougez pas, sans les cheese ou les kimchi en coréen, être totalement ouvert, et ne pas avoir peur de cette perplexité devant la nouveauté. Oui, et dans un groupe, il y a plein de prises de vue, plein de rapports au monde, et on peut s'enrichir de l'autre, avec l'autre, ou se dépouiller plutôt. Ça fait penser à deux mots, moi, Alexandre. Il y a le mot « perception ». Il y a aperception. La perception, ça serait du premier ordre dont tu parlais tout à l'heure, où on est juste imprimé, mais sans fixer. Et ça, la perception attachée, ça se transforme très rapidement, enfin, très, très rapidement en perception. Ouais. Et dans votre histoire de vie, est-ce que vous êtes dit à plusieurs reprises, par exemple, tel son, on m'a appris que c'était ça, et finalement, vous revisitez ce son et vous vous dites, mais... Non, moi je ne le vois pas comme ça, ou un goût, ou une autre perception sensorielle, mais de vous rendre compte finalement que ce que vous pensez à ce moment-là de votre perception, c'est quelque chose qu'on vous a transmis, mais pas quelque chose que vous avez... Je ne sais pas si ma question est assez claire. Si, si. Oui. Bah, j'ai l'impression qu'on parle un peu de... Alors, tu parles de perception, moi j'ai envie... Tu m'arrêtes si ça ne va pas. Je parlerai de désir... personnel et de désir collectif en soi.
comme s'il y avait des perceptions qui nous ont été imposées par la culture, l'éducation, et d'autres qui sont beaucoup plus nôtres. Est-ce que c'est un peu ça dont tu veux parler ? Oui, ça voudrait dire, si j'entends bien ce que vous me dites, que les perceptions, finalement, elles sont culturelles. Elles peuvent changer. Elles peuvent changer, oui. Oui, je pense qu'elles sont culturelles, oui. Là, on parle bien des perceptions. Hein. On parle oui. des cinq sens, en oui. l'occurrence. Oui. En plus, vous avez voyagé tous les deux. Oui. Donc peut-être que, je ne sais pas, est-ce que vous avez remarqué des différences dans certains pays par rapport à ces perceptions, justement ? Moi, je pense à une chose, là, c'est dans la... Alors, c'est dans les mots, par exemple, il y a des langues, je veux dire, le verbe « être » en espagnol a des nuances, par exemple. Il y a quelque chose qui est dans la temporalité, l'éphémère, et il y a l'être qui est dans le durable, dans le pérenne. Il y a par exemple dans... Je trouve ça intéressant parce que ça parle hein, de civilisation. En arabe, regarder, ça se dit chouf, voilà, regarde. Mais il y a un autre mot, on parle d'une autre vue. En arabe, c'est basser, bassar, je ne sais pas exactement, qui veut dire voir avec le cœur. Donc il y a plein de langues, je pourrais donner des exemples, je ne vais pas faire le savant là, en sanskrit et autres, mais il y a des langues qui ont vraiment des modulations pour parler des perceptions. Est-ce qu'il y a une culture qui vous a frappé justement, qui serait plus basée sur le visuel ou sur le son, sur le goût, je ne sais pas, Alexandre ou Jean-Pierre, ou sur le tactile peut-être. Il me semble, Jean-Pierre, que vous parliez du fait dans vos voyages qu'on touchait beaucoup dans certains pays. Oui, bah le rapport n'est pas du tout le même. Moi, je suis sans arrêt un peu dans les mains des uns et des autres. Hein. Quand je me déplace tout seul, je me fais aider quand je ne trouve pas mon chemin. Et c'est vrai qu'il y a des civilisations où ils ont beaucoup plus de facilité pour prendre la main. Je pense à l'Afrique ou je pense au Moyen-Orient ou au Maghreb. C'est beaucoup plus facile qu'ici. Mais enfin bon, en même temps, aujourd'hui, on est dans une période un peu particulière. Est-ce que le fait, donc ça voudrait dire qu'effectivement sur les perceptions, on peut mettre un spectre de mots, plus ou moins large, hein, notamment on le voit pour les couleurs, hein, qui ne sont pas du tout décrites de la même manière selon les pays et les cultures. Et est-ce que selon vous, le fait de ne pas avoir la même codification, c'est-à-dire pas les mêmes mots pour décrire, c'est handicapant ? En tout cas, c'est l'occasion de boire une bière ou un thé pendant des plombes pour essayer de se comprendre. Ce qui est quand même intéressant, c'est que moi, des fois, je ne sais pas si ça va te parler, Alexandre. Des fois, je vois des gens qui se parlent autour d'une table et ils ont l'impression de parler de la même chose. Ils ne parlent pas du tout de la même chose. Et puis, des fois, ils vont être en opposition et en fait, ils parlent. Enfin, je ne sais pas. C'est très trompeur, les mots, en fait. On ne peut pas... Avec un philosophe, là. Il va falloir que je fasse attention à ce que je dise, mais les mots et la chose, déjà, c'est déjà toute une histoire. Mais je trouve que les mots, c'est quand même des... C'est pour ça que quand tu me posais la question tout à l'heure sur le ressenti global, je suis... Il faudrait que je rentre, alors que je fasse un peu silence à l'intérieur, là. Et puis que je recueille, je dirais, des gouttes de rosée de poésie pour répondre à... Pour essayer de mettre des mots sur ta question tout à l'heure. Mais... Alexandre, vous voulez rebondir ? Oui, c'est... Quand on dit « j'ai peur », on a l'impression que la peur, c'est un truc statique. Comme hier, comme demain. Et c'est Nietzsche et Bergson, notamment, qui ont montré comme les mots, c'est des momies. C'est l'image de Nietzsche. C'est des momies, tu dis. Des momies, ouais, c'est des fossiles. Ouais. J'ai peur. J'ai utilisé le mot peur depuis mon enfance et ça me... C'est un outil qui me sert aujourd'hui. Je
40 ans plus tard, 30 ans plus tard, à décrire une réalité qui est différente de ce qu'elle est. Et en même temps, les mots, ça nous rapproche. Oui, avec mes enfants, ils n'aiment pas parce que je pinaille souvent. Et mon fils, il commence à être comme moi. Papa, c'est un reproche ou un constat. Et j'ai dit, tu m'emmerdes avec tes mots. Mais c'est, d'ailleurs, c'est marrant d'être pris à son propre piège. Mais c'est vrai, moi, je trouve que les mots, il y a un respect à avoir avec un mot. On peut tuer quelqu'un en disant qu'il est nul, qu'il est enfermé dans un handicap, un truc. Et en même temps, c'est des ponts qui permettent de créer des liens, d'exprimer. Et c'est dingue, je lisais un bouquin sur la philosophie hindoue qui disait que, dans les, ça tu connais mieux que moi, dans les temples hindous, il y a de la profusion, il y a l'expression, on dit tout, on sort, et dans un temple zen, ça serait le dépouillement. Et moi, je pense qu'il faut concilier les deux. Il y a des moments dans la vie où on a besoin de silence, comme plénitude d'ailleurs, et d'un moment où on a besoin de dire, d'exprimer. Tu parlais tout à l'heure d'agressivité. Moi, je me suis jamais autorisé d'être agressif, mais pas par vertu, peut-être par lâcheté, par peur du rejet. Et exprimer l'agressivité, c'est pas envoyer un poing sur la gueule au premier venu, mais c'est voir qui a une force en nous qui est pas agressive, mais qui est puissante et pouvoir faire quelque chose de constructif à partir de là. Au lieu de gueuler, il y a Osho qui distingue le rebelle du révolutionnaire. Le révolutionnaire, il est contre systématiquement, au lieu de Osho encore, que c'est des mots. Le rebelle, il n'est pas dans la réaction. Il promeut une idée qui est à contre-courant, mais il n'est pas systématiquement contre. Et je trouve beau cette boussole. Est-ce que je suis dans l'amertume ou dans une joyeuse rébellion? C'est très beau. Hein. Pardon, Jean-Pierre. J'aime beaucoup cette distinction. Et ça me parle profondément. Et pour toutes les personnes qui ont des corps qui les amènent à avoir des perceptions sensorielles différentes, et donc pas, à ne pas pouvoir nommer finalement les perceptions selon les normes, ouais. Est-ce que selon vous, ça les conduit à être marginalisés, à être mis de côté? Alors ça dépend déjà de l'environnement, de l'éducation qu'ils reçoivent. Vous avez l'impression d'avoir dû vous conformer à ces normes? C'était naturel? Comment ça s'est passé? Pas du tout. Moi, il y a eu le nom à tout ce qui était, alors je veux dire révolutionnaire, parce que franchement, je ne me reconnais pas du tout là-dedans, rebelle, oui. Mais avant d'avoir été rebelle, j'étais contre tout ce qu'on me proposait. Vous voyez, voilà. J'avais l'impression que tout était sans issue et insatisfaisant. Et au-delà d'être contre, comment ça s'est passé après, justement, pour vous construire? Alors, je disais tout à l'heure, dans le mode agressif et tout ça, mais après, quand... En fait, j'ai l'impression d'avoir ressaisi ma vie à un moment donné, c'est-à-dire toujours pas savoir qui j'étais à cette époque-là, mais de me responsabiliser complètement dans tout ce qui est arrivé. Mais je dis complètement, c'est-à-dire ce qui m'arrive, j'y suis pour quelque chose.
Et ça, c'est déjà un foutu pas. Et le fait de faire ce constat, est-ce que ça vous a amené justement, parce que pour rebondir sur tout à l'heure, vous dites que vous ne vous êtes pas rendu compte que vous étiez devenu aveugle. Ouais. Donc, au niveau sensoriel, vous avez dû, j'imagine, un petit peu réadapter. Ou alors ça s'est fait naturellement. Vous avez dû apprendre à développer d'autres sens pendant cette période rebelle ou après cette période. Pour ma part, ça a été une période où je suis allé chercher tous les possibles sur le plan physique, rencontre, sexualité et surtout drogue. Parce que c'est génial d'être aveugle. Non, je ne devrais pas dire ça, mais bon, je le dirai quand même. C'est génial d'être aveugle et de prendre du LSD. Parce que d'un seul coup, on voit les couleurs, enfin, le monde entier, il est là. Et c'est une cinémathèque prodigieuse. Je ne dis vraiment pas ça pour... c'est vraiment... Pour inciter, voilà. Non, c'est non, mais vraiment, voilà, ce n'est pas pour faire bien. Mais le LSD, ça peut être extrêmement, extrêmement, extrêmement dangereux. Voilà. Mais en tout cas, moi, ça a été quelque chose qui m'a... qui a été encore une manière de ne pas être dans la vie, mais ça a été une passerelle entre la frustration et la colère. Et puis d'un seul coup, j'avais l'impression de ce qui était loin, de le rapprocher, ce qui était proche, de l'éloigner, enfin d'être un peu le... ouais, d'être le roi de... le roi de rien d'ailleurs, parce qu'en fait, tout ça, ça... tout ça, il n'y a pas de foyer, il n'y a pas de noyau central, quoi. C'est une... mais c'était bien en tant qu'aveugle, parce que j'avais l'impression de voir, en fait. Et là, sans prendre du LSD, Jean-Pierre, est-ce que y a des images qui vous reviennent? C'est-à-dire, c'est pas ma question exacte, mais les sons qui vous parviennent, les odeurs, comment faites-vous? Vous construisez des images mentalement? Non. Celles qui ne viennent plus visuellement, finalement? Non. Puis en plus, je suis pas extrêmement, je pense, bon, il y a des gens ici qui pourraient témoigner, mais je ne suis pas toujours en train de demander qu'on m'explique tout. Un peu, mais vraiment, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui étaient aveugles et qui étaient vraiment, qui voulaient vraiment tout savoir au niveau architecture, au niveau ceci, au niveau cela. Moi, je me suis un peu... pour moi, c'est insatisfaisant, toujours, les descriptions, en fait. Donc, c'est tellement insatisfaisant que je crois que j'ai un peu fini par abandonner l'idée. Si j'ai la chance d'arriver dans un endroit et on passe devant une boutique à la con de touristes et on me dit, tiens, il y a le Taj Mahal dans la boutique. Ah, bah, en plastique, là, je vais être content d'aller le toucher. OK. Je sais qu'il y a des personnes qui ne voient pas, par exemple, et qui se prétendent, après ça leur appartient, férus de peinture. Donc moi, je n'ai vraiment rien à foutre de la peinture. Pourtant, j'ai des très bons amis peintres, mais ce n'est pas mon univers, quoi. Est-ce que les perceptions sensorielles de chacun, finalement, définissent son identité, selon vous? Je pense que la question, Jean-Pierre, vous attendez qu'Alexandre réponde. Moi, je mange. Ben, les perceptions, c'est ce qu'on en fait qui nous détermine. C'est le choix, qu'est-ce que je regarde dans le monde, est-ce que je suis foncièrement positif ou plutôt pessimiste, et c'est le regard qu'on porte sur le matériau réel des sensations qui nous forgent. Mais la sensation, elle est neutre. C'est après qu'elle peut être interprétée, surinterprétée, biaisée. Oui. Et dans le film Post-Scriptum, on vous a fait écouter des sons de personnes qui vivent dans un établissement spécialisé, de personnes sourdes.
Donc Alexandre, vous avez dit que vous avez reconnu des sons qui vous étiez familiers de votre enfance. Et vous avez dit vous rendre compte à quel point on est dressé et policé. Et, car ce genre de son dans la vie de tous les jours nous conduirait au poste de police, alors que c'est la vie et qu'il y a de la pureté. Et l'un et l'autre, est-ce que vous auriez une proposition ou des idées à nous faire pour que ces sons, finalement, fassent plus consensus, c'est-à-dire deviennent un peu plus familiers, habituels et non plus marginaux? Déjà, l'idée, c'est ce qui m'était apparu, moi, quand j'avais vu le film avec notre ami commun, Philippe Ozzo de Borgo, Intouchable. Je m'étais dit, mais franchement, c'est quand même une manière de faire le cinéma, les interviews ou autres, de faire apparaître le handicap à l'écran ou dans des livres et tout ça. Je trouve que c'est une proposition peut-être de que ce soit de moins en moins choquant dans le paysage. Donc les médias, tout ce qui est film, livre, dans les médias en tout cas, quelque chose d'un peu plus... Mais moi, je n'ai pas reconnu l'autre fois, Julie, quand vous avez... Diffusé les sons. Parce que je n'ai pas vécu dans cet univers-là. Mm. Et du coup, ça vous a fait quel effet? Les aveugles, ils étaient moins gueuleurs. Donc pour vous, c'était... vous avez reconnu que ce n'était pas un son habituel, justement. Oui. Oui, mais bon, je veux dire, là, vous nous diffusez, je ne sais pas, moi, un son de crapaud buffle... Bon, je connais bien les crapauds buffles, mais là, ce n'est pas très habituel dans le paysage. Et... Non, ce qui est intéressant là-dedans, c'est... moi, je ne savais pas quoi dire l'autre fois. J'étais... je cherchais... J'ai eu ce foutu réflexe à un moment donné de me dire à quoi ça te fait penser. À rien. Voilà. Après, le truc, c'est de dire, ça me fait penser à rien et de laisser filer. Oui, vous n'êtes pas dit est-ce que c'est normal ou pas normal. Non, ça, vous n'avez pas jugé sur, sur ces questions-là. Non. Alors que vous, Alexandre, il me semble que vous avez bien fait la différence entre un univers spécialisé et le monde de Monsieur Tout-le-Monde. Oui, ça montre combien on est dressé. Enfin, on peut le vivre comme ça, mais je crois qu'on est dressé se conformer à des normes. Si j'avais gueulé dans le train en venant, même s'il y avait une seule personne ou deux, je ne serais peut-être pas là. Et donc, voilà. Et là, on pourrait imaginer des soirées ou des après-midi où on peut laisser libre cours à son expression et voir ce que ça donne. Mais aussi, ça fait peur, parce que moi, si mon voisin d'en face, dans le métro, gueulait comme moi je peux le faire, c'est moi qui aurais peur. Donc, ça fait peur, ce qui n'est pas comme la norme. Et vous, avec quel type... Pardon, Jean-Pierre, allez-y. Non, mais il y a plein de gens que ça gêne. Moi, j'ai remarqué dans ma vie qu'il y a... certains, des copains qui ne me proposaient pas, par exemple, d'aller dans certains endroits parce que ils n'avaient pas envie de me guider toute une soirée. Non. Mais bon, libre à eux. Hein. Mais ça peut déranger, oui, effectivement. Et vous, est-ce qu'il y a un type de handicap qui vous dérange? Ouais. J'ai été... Après avoir bouffé beaucoup d'hallucinogènes et m'être fait des gros délires, je crois que tout ce qui était du monde de la psychiatrie, mais ça me terrorisait. Parce qu'à un moment, j'ai cru que j'étais en train de devenir bien déséquilibré, bien déstabilisé. Et en fait, c'était un reflet pour moi insupportable. Et quand j'ai découvert ça, je me suis... Moi, j'ai souvent fait, moi, j'aime bien les travaux pratiques. Moi. Je suis quelqu'un, je suis un immense feignant, mais en tout ce qui concerne le monde intérieur, j'adore tous ces chantiers-là. Et je me suis vraiment beaucoup attardé, comme je voyage beaucoup, quand j'entendais des gens
que je ne chantais pas bien, dans un train, qui interpellait tout le monde, qui était désagréable. Combien de fois j'ai bougé, je suis allé vers eux, quoi. Mais volontairement. Je bougeais du train et j'essayais de m'asseoir à côté d'eux ou en face d'eux pour parler avec eux. Alors que là, d'un seul coup, on se retrouvait avec tout le monde sur le dos. Et je voulais faire ça jusqu'à ce que je sois tranquille avec ça. Et aujourd'hui, je vis avec une femme qui est infirmière psychiatrique. Donc vous êtes plus tranquille. C'est étonnant, hein. Vous êtes plus tranquille. Bon, c'est pas moi qui bosse. Hein. Ouais. Et vous, Alexandre ? Non, je ne vis pas avec une infirmière. Oui. Ah ouais ? Tiens, avec les aveugles, on peut faire n'importe quoi. Hein. Mais est-ce qu'il y a... Je ne suis pas censé savoir. Est-ce qu'il y a un type de handicap, quelque chose avec lequel vous avez plus de difficultés, en tout cas qui vous, peut vous mettre mal à l'aise ? L'agressivité, ça me ferait peur, bien que je comprenne qu'on soit... Moi, je crois que la société peut rendre malade et que ça ne contredit pas ce que tu as dit sur on est responsable, mais dans ce contexte, il y a aussi une société qui a une pression sociale qui peut nous rendre malade ou qui peut nous oppresser. Et moi, il y a des fois où je me trimballe dans la rue, je ne sens pas de bienveillance. L'autre jour, j'étais dans le métro, il y avait 4 soldats militaires qui rentraient de permission, on dit. Mais ils ont vu une personne handicapée, il n'y en a pas un qui s'est levé. Et même pour un vieillard ou je ne sais pas quoi. Et je trouve qu'on est dans une société qui a une certaine violence. C'est sûr. Vous rejoignez ça, Jean-Pierre ? Ah ben, une société, une certaine violence, oui, sur tous les aspects. Et il me semble, peut-être je me trompe, que vous vous interrogiez sur le fait que parfois vous demandez de l'aide dans la rue puis que personne ne s'arrête. Ça vous arrive ? Oui, oui, là, c'était il n'y a pas longtemps, là, j'allais à la gare, donc je rendais de la gare, c'était la nuit, hein, il était 9h25. Et c'est un peu compliqué devant la gare d'Avignon. Il y a un truc que j'ai jamais trop bien pigé, là, avec une espèce de patte d'oie là, un peu curieuse. Et en plus, il y a une absence de trottoir, c'est-à-dire que font chier les gens avec leur fauteuil roulant, là, ça doit être fait pour eux. Je plaisante. Hein. José. Bon, je suis mis où, là, dans la merde hein. Qu'est-ce que je fais maintenant avec ça? Oui, donc je trouve il y a une absence de trottoir. Alors, c'est vachement bien pour les fauteuils roulants, c'est pas terrible pour les aveugles. Voilà, je me rattrape un peu. Et le seul Pékin qui est passé avec une valise, et je lui dis, je voudrais savoir si je suis au milieu de la route. Ou je sais pas. On m'a pas répondu, bon, voilà. Mais bon. Mais j'en fais absolument. Alors là, sincèrement, aujourd'hui, ça fait partie aussi de. Ça fait partie de l'exposition quand on ne voit pas d'aller dans la rue. Et d'être, ou comme Alexandre, de se retrouver avec des gens qui éventuellement se moquent de nous. Bon, notre boulot d'humain, je pense, Alexandre, hein, c'est de savoir que ça existe, de ne pas le nier. Après, juger qu'il soit ceci, qu'il soit cela, bof. Ils sont tellement modélisés par la norme que, bon, peut-être que leur manière de... devant une grosse différence, c'est d'être indifférent ou éventuellement désagréable ou en colère. Donc je laisse couler aujourd'hui très facilement. Oui. Et puis si ça ne va pas, si ça ne va vraiment pas, que je n'ai vraiment pas le choix, je peux être intervention. Comment on appelle ça ? Je peux intervenir, c'est-à-dire aller vers la personne et dire « Bon, maintenant, je ne vous donne pas trop le choix. Je suis désolé, mais vous êtes seul dans la rue, moi aussi. Je trouve que je ne vois pas très bien. » Et je vous demande juste une chose, quoi. C'est de me dire si c'est à gauche ou à droite. Je peux faire ça. Et ça se passe bien ? En général, les gens répondent. Pardon, excusez-moi, je n'avais pas fait attention. Non, il n'y a pas de raison non plus. Et sur cette question... De jouer l'agneau partout, quoi. Oui, sur cette question d'apparence et de normes. Est-ce que vous pensez justement que l'apparence, elle est codifiée aussi ? Il y a une norme de l'apparence.
Question pour un Suisse. C'est-à-dire que il faudrait être, s'il vous plaît. L'apparence, elle est, il faudrait correspondre. Il y a une norme de l'apparence. Il faudrait correspondre à ça et pas à ça, et qui fait que justement, ça peut susciter à un moment donné peut-être un rejet ou au contraire une attraction. Même pour une personne qui n'a pas de handicap, c'est tout de plus en plus dur de répondre aux standards écrasants d'une soi-disant beauté, parce que c'est une beauté qui est exclue, donc c'est pas une beauté, mais je sais pas, j'imagine pour un adolescent ou pour une adolescente, ce qu'on nous bombarde comme image, c'est intenable. Enfin, oui, pour réhabiliter l'humain à côté d'une... C'est même pas la perfection, c'est le fou. C'est le gommer, le corriger, et donc c'est pas réel. Et quand vous étiez plus jeune, enfant ou adolescent, il y a des images comme ça d'apparence, en tout cas de personnalité ou pas, je ne sais pas, à qui vous raccrochiez ou non, vous ne vous souciez pas du tout de cette question finalement d'apparence. Alors là, c'est pas possible de dire ça. Moi, j'ai eu plein de modèles, si j'en ai plus aujourd'hui, j'ai eu plein de modèles quand j'étais jeune. Bon, il se trouve que ce n'était pas tout à fait les modèles. Comment dire ça ? Valorisant. Moi, mes modèles, c'était les hobos, les gens sur la route. J'étais plus près des clochards que du type avec sa grosse bagnole et sa grosse maison, quoi. Et vous, Alexandre ? Mais c'était les philosophes qui étaient comme des copains que je voulais fréquenter, oui. Est-ce que les regards que vous avez eus sur vous et que vous avez encore influencent votre comportement ? Ou ont influencé, je ne sais pas, on peut prendre aussi cette question au passé. Ça coûte combien la séance, là, sur le canapé ? Je peux poser dans l'absolu aussi. Est-ce que vous avez l'impression que le regard qu'on porte sur quelqu'un influence son comportement ? Mais à moins d'être totalement libre du qu'en dira-t-on et du regard sur soi, on est un peu impacté par soit son regard à soi, soit le regard de l'autre, c'est inévitable. C'est pas gênant tant qu'on en est conscient, tant qu'on n'est pas esclave, mais typiquement là, avant de venir, j'étais en jogging. J'ai eu un cas de conscience, bon, pas énorme. Est-ce que je viens comme ça ou est-ce que je mets un pantalon ? Et même preuve que je ne suis pas assez libre du candidat-on, j'ai changé, je me suis habillé autrement, mais c'est tout con, mais c'est un réflexe. Alors, où c'est du respect de l'autre, où c'est de la peur du rejet, où c'est un équilibre délicat, sans foutre du regard d'autrui, c'est une posture aussi. Oui, 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 ça peut tout à fait être une posture figée et quelque part arrogante. Alors là, je vais faire un lien un petit peu annexe, mais les perceptions sensorielles, elles peuvent amener aussi à la question un peu plus instinctive, donc un peu plus animale de l'homme. Et selon vous, est-ce que nous aurions à apprendre des choses des animaux pour développer nos perceptions sensorielles ? Jean-Pierre, je sais que vous avez des choses à dire sur le sujet. C'est vrai ? Oui. Oh, j'ai écrit ça dans un bouquin dont j'en ai parlé, c'est ça ? On a eu l'occasion d'échanger, notamment sur les serpents, je crois, et la question de... Ah oui.
Mais j'ai toujours aimé, depuis que je suis gamin, imaginer les perceptions, les modes de préhension, autres, la manière de se mouvoir des animaux. Et souvent, je me disais, par exemple, on parlait du serpent. Combien de fois je me suis amusé avec mes lèvres en me disant, mais le serpent, il a une capacité thermosensitive incroyable. Il peut détecter par ses fossettes une proie, donc un corchon, à peu près à 800 mètres, selon les espèces de reptiles. Vous vous rendez compte? Et moi, je me suis amusé avec mes lèvres en me disant, mais ça, si le serpent, il doit y avoir une mémoire de serpent dans tes lèvres quand même. J'ai beaucoup joué avec ça dans ma vie. Ben, j'ai découvert, par exemple, avec ce genre de ludicité, là, de jeu, j'ai découvert que je pouvais lire en braille, par exemple, avec mes lèvres. Plein d'autres choses aussi, j'ai découvert avec mes lèvres. Et, le corps du serpent, il me fascine littéralement. Vous vous rendez compte, il n'a ni bras, ni jambes. Et il est tout à fait apte à grimper le long d'un mur, je ne parle pas d'un mur en béton, mais d'un mur de maison de pierre, donc avec quelques toutes petites aspérités, et de se retrouver sur un toit. Mais je trouve ça, mais juste ça, cet exemple-là, je me dis, mais c'est juste fascinant. Il n'a aucune manière de s'agripper si risque de se casser la gueule, quoi. Je n'ai pas l'idée de ne pas avoir de bras et pas de mains. Il faudra demander à Philippe Crozon, mais je ne sais pas s'il monte le long des murs. Je ne sais pas très bien. Vous ne l'avez pas invité, là, dans le festival? Non, mais on pourra peut-être essayer de lui poser la question de manière. Je ferais bien un dialogue avec lui, ouais. Quand j'apprends les spécificités, puis bon, j'ai eu la chance, et c'est vraiment la chance, un privilège même. Le premier, c'est d'avoir eu un lion sot, qui n'était pas sot du tout, un petit lion, mais quelques semaines dans les bras quand j'avais 8 ans. Et ça, c'est un moment juste incroyable, quoi. Et j'ai souvent pensé me sentir oiseau, me sentir... Et vous, Alexandre, il y a quelque chose que vous avez pu apprendre des animaux, pas du tout, dans cette question justement de perception, d'intuition, d'instinct? C'est rigolo comment on emploie le mot humain pour désigner à la fois ce qui est le meilleur en soi, quelle humanité, et aussi pour qualifier nos mesquineries, nos faiblesses. Et comment on emploie le mot bestial pour caractériser l'agressivité et la violence qui n'est pas celle des bêtes, finalement. Parce que la violence gratuite, perverse, l'instrumentalisation de l'autre, il me semble que c'est humain, trop humain. Et oui, le retour à la nature. Justement, on parlait de la langue comme dressage, comme un retour, comme Saint François d'Assise, une fraternité avec les animaux plutôt que quelque chose de lointain. Et combien de gens aujourd'hui ont des contacts avec les bêtes concrète. Ouais. Et vous, c'est votre cas? Oui. Pendant le confinement, c'était l'hécatombe parce qu'on a perdu un lapin et un hamster. Ouais. Alors, moi, je sais quand j'ai besoin. En ce moment, depuis un moment, j'ai envie d'aller toucher une vache. D'ailleurs, si... Non, vous n'en avez pas, là. Alors, il faudra qu'on aille dans la campagne aux alentours, mais... Pas en rayon, parce que...
Pas ici ce soir, Jean-Pierre, mais on pourra essayer de remédier, ouais. Okay. D'y remédier en tout cas. Et pourquoi une vache, vous pouvez nous expliquer? Parce qu'une vache, je ne connais rien de plus sage et paisible et invitant à la transcendance qu'une vache. Je me suis longtemps demandé, m'étant intéressé, ayant beaucoup passé de temps en Inde, pourquoi les hindous avaient ce culte de la vache. Bon, ben, ça se répond très bien, je le sais maintenant, c'est parce que les peuples hindous aryens, ils ont traversé toute l'Europe jusqu'en Inde et en nomade, et ils ont survécu principalement avec le lait de la vache, d'où ce culte aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a autre chose, que c'est vraiment un animal extrêmement reposant. Ça vient de votre enfance, ce contact à la vache? Vous avez grandi dans une ferme, toujours été, oui, alors j'ai grandi au milieu d'un environnement agricole, hein. Donc j'ai toujours vécu, moi j'ai vu des poules, des lapins, des canards, des chèvres, des moutons, mais on n'avait pas de vache. Mais la vache, l'éléphant, qui est une véritable... Dès que je peux aller quelque part où il y a des éléphants et les rencontrer, surtout de manière... Surtout s'ils sont en liberté, d'une manière ou d'une autre, même j'ai exposé un peu ma vie à quelques dangers avec ça. J'ai eu quelques ennuis avec des rangers dans des endroits où j'avais apparemment rien à faire là. Mais j'ai... Voilà, ça me... Et pour terminer ce temps ensemble, je vais vous poser une question, en fait, qui est liée au film, toujours post-scriptum, parce que quand on a terminé ce film, oui. L'un et l'autre, vous m'avez dit, on a oublié de parler de quelque chose de très important, qui est la sexualité. Je vous avais promis qu'on le ferait ce soir, et j'ai pas de question, en fait. Quelle aurait été la question que vous auriez souhaité que je vous pose à ce moment-là? Moi, je me serais très mal à l'aise devant un sujet pareil. Ouais. Pourtant, vous m'avez dit que c'était important, Jean-Pierre. Alexandre, peut-être, vous auriez quelque chose à dire? D'abord, je crois qu'on oppose souvent la sexualité et la sagesse, comme si d'un côté, il y aurait la spiritualité et le renoncement, l'abstinence, et d'un autre côté, il y aurait la voie des sens, de la sexualité, et je pense qu'une vie humaine, vraiment, enfin, il n'y a pas de jugement de valeur, mais d'après moi, c'est une vie qui intègre cette dimension de la sexualité, et je suis sidéré et choqué en allumant la télé de voir le nombre de cas de pédophilie, d'abus sexuel, de machisme, de sexisme, de perversion. Et je pense que c'est vraiment important de clarifier les choses, d'en parler. J'ai vécu dans une institution pour personnes handicapées où il peut avoir des gestes maladroits, on va dire comme ça, sans juger. Mais... Et je pense qu'il faudrait en parler davantage et reconnaître les besoins, dénoncer les dangers, les dérives. Et pour moi, les deux chantiers vont de pair. D'une part, déculpabiliser la sexualité, en ce sens, moi, ce qu'on a inventé comme modèle, c'était celle du prêtre abstinent qui n'avait pas de sexualité. Et pour moi, jusqu'à très tard, c'était un modèle. Et donc, si on avait besoin de sexualité, c'était qu'on était un sous-homme, qu'on n'était pas maître de soi. Et je pense, intégrer la sexualité des personnes handicapées, je sais pas, pour beaucoup,
de personnes, c'est comme si les personnes handicapées étaient asexuées. L'autre jour, j'étais dans une supérette avec mon fils de 14 ans et le vendeur a dit « Tiens un bonbon !» Et il m'a donné le bonbon à moi, à côté de mon fils qui avait 14 ans. Et je me disais, mais c'est quoi? Moi, j'entrais dans la supérette virilement, je suis le papa, tac, prends ça dans la gueule, tu veux un bonbon? C'est violent. Alors, de nouveau, on parlait de pas agressivité, je suis sorti de la supérette, j'ai dit merci beaucoup. Mais si j'avais été honnête, j'aurais foutu ce bonbon, pas dans le cul, mais je... Et voilà, et j'ai dit, mais c'est représentatif, on donne un bonbon à quelqu'un, c'est violent. C'est pas malveillant, c'est pas méchant. Mais je me dis, pour quelqu'un qui peut douter d'être un papa comme les autres parce qu'il a un handicap, tac! Moment d'insouciance avec mon fils, on rigolait, tac, rappel à l'ordre, tu veux un bonbon. C'est d'une violence inouïe. Et je pense, comme tu disais avant, la personne handicapée ne fait pas encore partie du paysage. Vous aviez parlé dans le film de la sous-représentation. Moi, je rêve qu'un jour, on puisse entrer dans la supérette. Ah tiens, t'es avec ton papa, voilà. À la limite, qui nous donne une bière plus qu'un bonbon aux ananas. Oui. Donc, le lien avec la sexualité, c'est qu'on nie à la personne handicapée peut-être la vie affective, la vie sexuelle, et la paternité. Et je trouve ça d'une violence ça peut être intériorisé en une insécurité fondamentale. Un jour, je prenais dans mes bras mon enfant dans le métro et il y a quelqu'un qui l'a dit « Touche pas ce gamin !» Et j'ai dit « Mais c'est mon fils !» Et ce jour-là, je me suis dit, putain, aux yeux des autres, je dois prouver que je suis un papa. Et ça, je trouvais hyper violent. Et donc, tout ça sans culpabiliser personne, mais conscientiser. Et oui, pour la pédophilie, c'est un thème qui me m'effraie tous les jours quand les enfants partent à l'école, je dis attention, attention, jusqu'au jour où j'ai réalisé que il fallait conscientiser et le dialogue. C'est comme à la télé, il y a quelqu'un qui comparait les pédophiles aux chauffards. Même avec la meilleure protection du monde, on n'est pas à l'abri qu'il y ait un chauffard qui tue nos enfants, mais on peut conscientiser, on peut sensibiliser et on peut aussi ouvrir un débat qui aide. Et ce documentaire allait encore plus loin en disant qu'il faut aider aussi les personnes qui souffrent de ce penchant-là pour eux. Absolument. Et j'ai trouvé pour une solution qui intègre la réalité qui est infiniment complexe. Surtout la réalité de vivre ensemble avec des penchants extrêmement différents qui sont... Ils sont niés la plupart du temps, même chez l'individu qui en est lui-même le jouet. Donc c'est très compliqué. Et pour pas, mais avec beaucoup d'espoir, parce que c'est pas une fatalité.
Et justement, c'est terrible d'associer la sexualité d'emblée avec une dérive. Et c'est ça qui est éminemment difficile à la fois promouvoir l'innocence de ce désir, tout en ayant conscience qu'on peut tomber sur des malades ou des malveillants. Et c'est dur à tenir les deux chantiers. Voilà, la sexualité, c'est quelque chose de joyeux, c'est le don de soi, c'est l'acceptation de son corps tel qu'il est. Et à la fois, et en même temps, c'est un terrain sacré et qu'il ne faut pas déconner sur ce terrain-là parce que ça fait des dégâts à vie. Voilà. Pardon, je m'anime, mais c'est vraiment un chantier vraiment important. Vous parlez justement du fait que la sexualité des personnes en situation de handicap, on ne la parle pas finalement. Mm. Et est-ce que vous considérez que de ne pas la parler, justement, c'est une dérive? Vous parlez que le fait de penser qu'il y a une sexualité pour les personnes en situation de handicap, tout de suite, c'est compliqué dans le regard des gens, Pour moi, il n'y a pas une sexualité de personnes handicapées. Il y a une sexualité de chaque être humain et qu'il ne faut pas mettre dans des cases. Et il y a aussi un énorme déni. Et une énorme pression. J'ai fait l'expérience d'aller sur les sites de rencontre et m'être handicapé, et il peut avoir beaucoup de violence. Et de rejet. Oui. Ouais. Mais de nouveau, je ne dis pas ça pour plomber, mais justement pour aller de l'avant. Jean-Pierre, vous auriez quelque chose à dire? Comme ça, non, parce que je faudrait parler longtemps, longtemps. Mais bon, la sexualité, elle est à l'image de ce pourquoi l'homme se prend. Elle est à l'image aussi d'un collectif. On ne peut pas isoler la sexualité du reste. Donc forcément, il y a de la violence. Et puis, il y a beaucoup d'exclusions. J'entendais l'homosexualité était une maladie jusqu'en 2001, en Chine par exemple, je sais pas. Là je suis sur un projet plus ou moins d'aller, mon prochain voyage ça serait peut-être quelque part du côté de la Tchétchénie là, et de la Géorgie si c'est possible. Là il y a une loi qui vient d'être écrite là, sur l'homosexualité en Tchétchénie, mais ça fait trembler. Hein. Et là on ne parle que d'homosexualité. Alors, des gens qui ont des... En fait, j'ai connu, de par le passé, un instit qui avait une tendance à tripoter ses gamins. Et j'ai eu... je dirais que j'ai eu la chance, que ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, de pouvoir échanger avec lui après la peine qu'il a eue, la prison et toutes ces choses-là. Sur le conditionnement qui l'animait. Et franchement, pour moi, ça a été de pouvoir entendre quelqu'un parler de ce qui l'animait, tout en sachant que c'était éminemment nuisible et surtout réprouvé par la société. Ça m'a... Je ne sais même pas trop quoi en dire aujourd'hui, mais je crois que c'est quand même extrêmement important. Par la morale dans laquelle on vit, bon, je ne veux pas refaire la morale dans laquelle on vit de cette manière-là, mais il y a des choses qu'on ne peut pas... on peut pas lever le petit doigt, je veux dire, en disant moi je suis attiré par les enfants. Je n'y suis jamais passé à l'acte, mais je suis attiré par les enfants. Ben oui, mais il se trouve que moi, ça ne me parle pas, mais il y a des gens qui existent avec ces tendances-là. Quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils existent, ces gens-là. Quoi. Et je pense aussi qu'ils en souffrent aussi, ces gens-là. D'une certaine manière, on parle d'handicap. Moi, tout le monde connaît ma phrase célèbre qui veut tout dire et rien dire.
n'y a pas d'handicap, il n'y a que de la différence. Mais ces gens-là, si on veut parler d'handicap, ils ont un handicap. Et bon Dieu, ben, faut quand même l'accueillir et le regarder et essayer de travailler ensemble. De même que, je veux dire, il y a un type qui ne voit pas dans la rue, ben, la société serait... on ferait monter l'humanité d'un cran. Mais bon, moi, je rêve pas. Hein. Je suis dans les concepts. Je ne rêve pas. Ça serait sympathique, mais bon, je n'y crois pas du tout. On ferait monter l'humanité d'un cran le jour où un type aveugle dans la rue ou quelqu'un qui a un fauteuil devant, ou j'en sais rien, un étranger qui ne parle pas, qui ne sait pas lire un panneau, et ben aussitôt quelqu'un vient vers lui et lui dit « je peux te filer un coup de main ». Bon, ben voilà, ben quelqu'un qui est avec ces déviations-là, je reviens à ces problématiques sexuelles, ça serait bien de pouvoir l'entendre, quoi, qu'il y ait un lieu de confession et bienveillant, et je ne parle pas de religion, là, hein, un espace où ces gens pourraient aller parler sans être jugés et accompagnés, et qu'ils puissent comprendre aussi le mal que ça fait aux enfants, voilà, à leurs victimes, parce qu'en l'occurrence, ces gens transforment les gens dont ils abusent en victimes. Après, c'est un putain de chemin. Moi, j'ai connu des gens qui ont été dans le milieu des aveugles qui passaient par les écoles privées. J'y suis pas passé. Et ben voilà, quoi. Il y en avait pas mal qui revenaient avec des histoires sexuelles, abusées par les bons pères. Alors, pour terminer ce temps ensemble... Ouais, alors, parlons un peu sérieusement maintenant, après le sexe, qu'est-ce qu'on fait? Et revenir sur la question du jour, c'est-à-dire la question des perceptions sensorielles et de l'illusion. Est-ce qu'il y a quelque chose pour terminer que vous auriez envie de dire? Après notre échange. Ben, la grande illusion, c'est de croire qu'on est une entité séparée des autres, et étanche et indépendante et avalorisée. Et je crois que c'est la source de la souffrance. Et en même temps, dans notre société, c'est difficile de faire confiance, de s'oublier. J'aime beaucoup quand tu dis faire monter l'humanité d'un cran. Et c'est un espoir qui peut nous animer. Et c'est des gestes tout bêtes, c'est pas sauver la planète, enfin si on peut oui, mais c'est être accueillant, disponible, pas être agressif, oui, aider quelqu'un chaque jour, comme dirait Nietzsche, ouais. Et identifier la blessure de l'autre. Des fois, on bazarde. Voilà. Notre aide, c'est souvent du colonialisme. C'est-à-dire, on s'impose, on veut territorialiser. Ouais. Alors que l'aide, c'est le don gratuit, quoi. Ou donner à l'autre ce qu'il n'a jamais demandé. Oui. C'est sublime, ça. Oui. C'est sublime. Oui. En tout cas, c'est des rencontres comme maintenant, moi je suis convaincu que c'est important pour qu'on puisse parler et montrer l'état de l'humanité sous toutes ses formes. Merci à tous les deux, en tout cas pour ce temps ensemble. Ça continue le festival, hein. Il y aura encore des soirées, comme je l'annonçais, la prochaine, c'est donc demain à 18h. Elle s'intitule Invisible en présence d'Aurélie Philippe et animée par Bérangère Dussiol. Et je vous souhaite une bonne soirée et merci à vous. T'as tout mangé avec Non. Avec moi merci. Bon allez, on se casse. Vous avez besoin d'aide, monsieur ?